Bienvenue à Marseille, ou plutôt à Euroméditerranée, entre le port de commerce, le vieux port et la gare TGV. Un laboratoire d'innovation à grande échelle où s'invente la ville de demain. Plus sobre en énergie, plus intelligente et plus solidaire. Optimal Solutions, une filiale de Dalkia, y déploie Massileo. Une solution aussi innovante qu'inédite par son ampleur. Massileo est un réseau d'eau tempérée qui alimente des bâtiments en chaud et en froid à partir de l'énergie thermique de la mer. C'est ce que l'on appelle la thalassothermie. Mode d'emploi. C'est dans le port de Marseille, par 4 mètres de profondeur, que tout commence par le pompage de l'eau de mer. Des échangeurs thermiques transfèrent l'énergie présente dans cette eau tempérée vers un réseau d'eau douce. L'eau de mer est alors restituée dans son milieu naturel. Dans une centrale située en sous-sol de l'écoquartier, la boucle d'eau douce est connectée à des pompes à chaleur eau-eau réversibles. En fonction des besoins, ces pompes convertissent les calories pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et pour la climatisation en été. Un procédé qui permet aussi de récupérer la chaleur dégagée par la climatisation des bureaux pour produire l'eau chaude des logements et inversement. Ainsi, plus de gaspillage énergétique. Depuis 2016, Massileo dessert un écoquartier pilote, SmartSay, où opère Eiffage Immobilier, soit 58 000 m² de bureaux, logements et commerces. Dans le futur, Massileo se déploiera sur une zone bien plus vaste, pouvant aller jusqu'à 500 000 m². Grâce à Massileo, marque déposée par Optimal Solutions, 75% du chauffage et du refroidissement de l'écoquartier est assuré par les énergies renouvelables. Par rapport à une installation fonctionnant au gaz, Massileo réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre, soit plus de 600 tonnes de CO2 évitées chaque année pour l'écoquartier SmartSay. Ce qui est possible à Marseille l'est partout où la mer n'est pas loin, comme à Cherbourg, où Optimal Solutions récupère les calories de l'eau de mer pour chauffer 1 300 logements sociaux.